Amis internautes un peu partout dans le monde, et rebonsoir, bonjour, c'est émission Prola, dossier la CAIPAM qui, une fois depuis l'entrée la CAIO. Comme nous toujours dit à chaque émission, dossier la CAIPAM, ses yeux et ses oreilles à travers le monde là, par rapport avec quelques imperfections que nous avons trouvées dans la dernière vidéo que nous avons publiée tout de suite, nous avons porté une correction. Nous disons merci avec chaque grain d'ami qui partage l'émission pour nous, chaque grain internaute un peu partout dans le monde qui est toujours là pour faire grand voyage, qui tendait nous, qui prêtait l'émission Dossier la CAIPAM, qui pas fait politique. Attention, nous disons merci, nous ne pas décevoir et que nous fait émission, c'est pour vous, à la minute qu'il y a des problèmes, nous obligés pour faire une correction. Pour toutes amis qui ont une question voyage vers les États-Unis d'Amérique, nous disons une fois de plus, nous pas le faire, on râler en ce qui a trait avec un changement de caisse, transfert de caisse, tout ça, qui est en pile de nos compatriotes qu'on fait nos signes, comment ça fait, est-ce que c'est vrai? Par rapport avec la situation sociopolitique dans le pays d'Haïti, nous constatons que l'ambassade là vraiment travaille à pas de tortue. En pile de nos compatriotes qui gagnent 1120 jours, 90 jours, et pourquoi pas 30 jours, une fois que le délai d'expiration arrive, ils ne peuvent pas même recevoir encore plus rien comme information en ce qui a trait avec 15 jours. Lorsque Pabo ici, les États-Unis, nous essayons de contacter l'immigration pour nous demander ce qui s'est passé, comment se fait-il que souvent, les amis compatriotes haïtiens ne peuvent pas rien comme information. Réponse, les amis internautes, en ce qui a trait avec questions et problématiques sociopolitique là, nous avons question remontée et sécurité à sur tout le territoire pays d'Haïti pour que l'ambassade de la Mété consul lieu en sécurité est obligé pas ouvrir en grande pompe et en ce qui a trait aussi avec question COVID-19. Mais par contre, si ce n'est que problème et sécurité à nous sûr et certain, en pile de nos compatriotes tape déjà joint appointement pour venir dans rendez-vous ambassade américaine à Port-au-Prince. Pour faire suite avec la première émission, nous avons parlé du transfert de caisse, c'est-à-dire pour transférer le dossier là en Haïti vers Santo Domingo. Nous disons qu'il y a des étapes à suivre, amis internautes. Pour les amis qui demandent nous est-ce que le possible, Jodia nous dit oui, transfert de caisse, c'est-à-dire transfert de documents, transfert de processus des républiques d'Haïti à la République de Santo Domingo, c'est possible, mais il y a des cas d'exception, il y a là-dedans pas mal de démarches. Nous allons essayer étaler quelques rares démarches. C'est pas seulement ça seulement, mais comme émission Dossier la CAIPAM qui t'a fait halter là pendant plus que 2 semaines, parce que nous autres, nous constatons que par rapport avec remontée situation politique en Haïti, rien n'est pas tombé pour informer la population. Nous n'avons pas fait émission pour nous faire de la politique ou bien pour nous faire des views, mais nous faisons des émissions pour que nous capables d'informer avec former. Auditoire pas dossier la CAIPAM. Un nous dit pour tout le monde qui t'a souhaité transférer 15 jours du côté de la République Dominicaine, nous dit tout d'abord faudrait-il que pétitionner à contacter avec avocat qui vivent les États-Unis d'Amérique pour enclencher processus là. Comment pour enclencher processus ça, nous disons dans un premier temps, faudrait-il que avocat écrit immigration américaine pour demander approbation pour que yo enlever caisse des pays d'Haïti pour transférer en République Dominicaine. Deuxièmement, faudrait-il que l'immigration américaine réponde de façon de manière positive avec demande avocat, yo accorde la possibilité côté les capables retirer caisse qui Haïti et puis transférer caisse du côté de la République Dominicaine. Par contre, le processus n'est pas encore atteint son apogée. Faudrait-il que avocat écrit un mail aussi avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince pour informer que document ça que vous avez gagné en possession, vous avez gagné en pointe sur vous pour tel ou tel compatriote, désormais vous comptez enlever caisse et puis transférer du côté de Saint-Domingue par rapport avec conjoncture pays d'Haïti. Nous dit processus ça prend du temps, ambassade américaine a gagné le plein droit côté les capables répondre de manière positive avec avocat pour dire nous après avoir constaté que au fait on demande nous avons le plein droit au capable enlever caisse là au capable retirer caisse là dans pays d'Haïti et transférer en République Dominicaine.
Nous dit processus là pas encore fini là. Faudrait-il que ambassade américaine en République Dominicaine, une fois que ou écrit aussi pour faire connaître, ou enlever caisse ou enlever document ou enlever dossier ça qui était Haïti par rapport avec sécurité, ou voyer li bayo en République Dominicaine, ou même encore yo gen le plein droit, le plein pouvoir pour que yo capable décider sur caisse. Nous dit tout process ça yo prend du temps amis internautes pour que li capable rive dans terme. Ça qu'arrive que une fois que ou écrit ambassade américaine pour prince, ça ka prend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que yo répond nous. Yo capable répond nous positif, si toutes les fois li positif, li on prend dans deuxième opportunité qui c'est Santo Domingo recevoir le droit aussi capable dit non, il pas recevoir question, les assez fini. FINI, yo que doit dire pas en mesure par rapport avec nombre de demandes yo déjà gagné, yo pas en mesure pour que yo recevoir qu'est-ce là dans moment ça. Le a ou même compatriote pas obligé tendre que dossier là qui déjà enclenché, qui déjà qualifié, qui rive dans phase ou interview, pas obligé tendre interview en Haïti zami interno. Par contre, pour toutes amis qui contactaient le dossier la CAIPAM, qui m'ont dit nous, est-ce que l'ambassade américaine ouvre, nous dit oui, est-ce que l'ambassade là bail visa, nous dit en petite quantité, parce que l'ambassade là travaille vraiment en pas de tortue, c'est-à-dire elle est très 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 lent, mais ça va lui dire que l'ambassade là suspend, délivrer visa résidence avec compatriotes qui vivent en Haïti. Ce qui a trait avec question visa et touristes. Rien n'est encore dit parce que nous beaucoup voyons lumière au bout du tunnel qui fait nous signe que l'ambassade la pral ouvrir et question visa touriste et pour les États-Unis d'Amérique, amis internautes. Pas oublier dossier la CAIPAM qui c'est émission d'éducation et formation toujours mandé avec chaque compatriote partager émission pour nous parce que nous pas fait émission pour nous faire views mais nous faire des émissions pour que nous capables informer population. Dans dernier constat que dossier la CAIPAM fait, nous voyons des compatriotes, des pétitionnaires qui vivent les États-Unis, qui appliquent pour petit qui vivent les États-Haïti, excusez-moi. Gen mineur sa yo, gen jeune sa yo qui déjà déplacé à côté de Chili, nous constatons que sa yo qui vivent en Chili, yo jwenn plus chance pour que yo jwenn appointement pour yo à l'ambassade, à répondre question pour yo vini Haïti. Mais ça yo qui dit Haïti, nous pas comprendre est-ce que c'est par rapport avec insécurité qui vraiment est papillé dans 10 départements Haïti, nous voyons que l'ambassade a vraiment pas fait appel avec compatriotes. Nous toujours rappeler avec chaque émission dossier la CAIPAM fait nous dit que lorsque vous l'ambassade là gagne un comportement pour gagner faut qu'on des émissions en pile compatriotes qui va aller ambassade si que yo te gagne des outils lorsque yo arrivé nous sur certains dossiers yo pas tab jam mal passé qui ça nous est mal passé nous dit que dossier yo tab vraiment aller rapide rapide et que yo pas tab gagne rien problème avec document yo. Nous dit lorsqu'on va à l'ambassade là toujours songer pour vérifier dossier, vérifier passeport, est-ce que extrait des archives à jour, est-ce que passeport à jour, pas oublier pour marcher avec lettre qui dit que ou gagner rendez-vous ambassade là. Nous toujours rappeler avec compatriotes, pas oublier nom avec prénom pétitionnaire là, c'est-à-dire monde qui prend tout là, pas oublier qui côté la vive, qui dernière fois ou téwéli et puis dernières informations que n'a partagé avec internautes nous nous dit que pas à le répondre, pas à le faire étalage, pas à aller entrer en interaction avec aucun concile. Une fois que vous arrivez à l'ambassade là, répondre avec question que vous posez ou. Pas à l'étaler, pas à le dire bagaille que vous pas posez ou, pas allonger par le consul là, aucun document que vous pas mandou. Pour qui ça nous dit ça, ça qu'arrive ou t'as marché avec extrait des archives, vous pas mandou li, pas bay li. Ça qu'arrive ou t'es forçou yo mandou pour venir ensemble avec en un document tel que texto écrit que on partage avec Marie ou si toutes les fois rive ambassade là pas mandou lui pas bay li suspend expliquer avec consul la bagaille qui ou pas mandou de manière à ce que qui capable causer des préjudices ensemble avec document là pas oublier dossier la CAIPAM c'est émission d'éducation à formation nous dit pour toutes amis captain rendez-vous ambassade américaine à Port-au-Prince. Nous voyons lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire entre mois d'avril avec mois de mai, pourquoi pas entre juin et juillet, il y a une forte possibilité pour que l'ambassade d'État commence à faire appel avec bon nombre de nos compatriotes qui ont souffert.
Nous rappelons que l'ambassade a toujours été ouverte, mais il recevait des amis en petite quantité. Il y a des amis qui contactaient le dossier de la CAPAM qui déjà un rendez-vous ambassade pour le mois d'avril. Le dossier de la CAPAM est mission d'éducation et de formation content pour que l'hypothèse et formation soient pour nous retirer chapeau nous une fois depuis devant. Tous les amis qui étaient déjà commencé dans des émissions nous disent que c'est rectification et ceci dossier de la CAPAM, ses yeux axorés, nous tous. Bye bye. N'a croisé tout de suite pour des plus amples informations.